Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de ce mois de décembre 2023. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas comment dire, qui ne savent pas leur signe ascendant et leur signe lunaire, il suffit d'aller sur Internet, de faire le calcul gratuitement en indiquant votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Vous obtiendrez ainsi votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et une fois fait, je vous invite à visionner les autres vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous apportera de plus amples informations sur votre guidance de ce mois de décembre 2023. Bon, on y va. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le tableau, j'ai retourné les cartes afin de gagner un peu de temps car bien souvent je suis très longue. Bon, on y va pour vous, amis vierges. Alors, on commence sur la première ligne ici avec les souris et les conflits. Alors, l'idée est de se débarrasser des nuisibles. Il y a vraiment quelque chose, certainement une situation qui vous stresse ou des personnes qui vous stressent, qui vous rongent les sangs. Et là, vous décidez d'y mettre un terme définitivement. Là, c'est radical. C'est balayer les nuisibles. Ici, on a le conflit et les nuages. Donc ici, il peut y avoir ce petit. Peut-être que vous vous êtes fait du souci à cause de ce souci, mais là, c'est la fin, c'est terminé, c'est. Ça va être un moment. Le fait de se libérer des nuisibles, ça va être un moment de se libérer et puis d'y voir plus clair par la suite. Ce qui va vous amener à la croisée des chemins ici. Donc, pour saisir une nouvelle opportunité, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter de prendre de la hauteur et une sécurité et, mais il y a vraiment, je dirais presque une instabilité émotionnelle, pas émotionnelle, mais une surcharge de travail ici avec la croix et le renard. Là, on voit que peut-être le domaine professionnel ou le travail à la maison, il y a vraiment ici une surcharge de travail. Et c'est peut-être qu'il faut, c'est pour ça que c'est comme si vous faites le tri en fait de ce que vous convient plus, ce qui vous convient plus et ce que ça va vous amener. Et c'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. Là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol et voilà, on se débarrasse de ce qui ne va pas, du surplus, afin d'alléger en fait cette surcharge de travail. Parce que là, on voit quand même que ici, avec la tour et l'ancre, c'est une stabilité, c'est une bonne entreprise, c'est une entreprise à succès en fait. Mais quand même, malgré tout, on voit ici qu'il y a une surcharge de travail. Là, c'est votre fardeau, c'est le travail. C'est voilà, c'est ça devient pesant, c'est le travail qui est pesant, c'est la charge qui est pesante. Donc voilà. Ça, c'est pas le travail qui va manquer, mais c'est lourd. C'est lourd. Et c'est peut-être ça que vous êtes à la croisée des chemins, c'est que il y a vraiment en tout cas sous le début décembre, il y a vraiment quelque chose de très pesant que vous avez besoin de vous délester un peu de tout ce qui ne vous convient plus. Ensuite, on commence la deuxième ligne ici avec un nouveau départ. Alors, avec l'enfant et le cavalier, c'est un nouveau départ. Ça peut être également une nouvelle visite.
Ça peut être un enfant qui vous rend visite. Et ici, avec l'arbre qui représente le lien familial, la génération, la longévité, et ici, il y a un blocage. Donc, peut-être que au niveau de la santé, il y a peut-être un petit blocage. Peut-être aussi, attention, peut-être une fatigue musculaire par rapport à cette surcharge de travail. Attention, attention. Donc c'est peut-être ça aussi de se débarrasser, mais ce nouveau départ, peut-être que vous allez avoir besoin de repos, de prendre peut-être un congé maladie ou en tout cas peut-être que vous avez hâte d'être aux vacances de fin d'année, peut-être pour enfin souffler, mais attention à la fatigue musculaire ici. Parce qu'avec cette surcharge de travail, là, ce fardeau que vous avez sur les épaules, ça risque de... Peut-être que c'est un enfant qui va vous rendre visite pour vous soulager, pour soulager cette surcharge de travail, et peut-être parce que vous serez éventuellement fatigué au niveau des muscles, et que un enfant peut-être va venir vous rendre visite pour vous soulager un peu. On voit ici au centre, on a le bouquet, le cadeau, la surprise. Alors, quel est ce cadeau? Quelle est la surprise? À mon avis, il va y avoir de bonnes nouvelles, des nouvelles positives qui arrivent. Il y a des communications espérées, peut-être l'attente de documents que vous attendez. Ici, on a les finances. Les poissons, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est les finances, c'est la clé. Donc là, il y a une opportunité financière qui arrive, peut-être par rapport à justement à ces courriers que vous espérez, où l'espoir renaît, l'espoir revient, enfin une nouvelle espérée, enfin une bonne nouvelle qui arrive. C'est certainement dans le domaine financier. Pour certains et certaines d'entre vous, il est possible aussi que cette bonne nouvelle, c'est concernant peut-être une entreprise indépendante. Peut-être que vous décidez de devenir entrepreneur. En tout cas, sur la troisième ligne, on voit que ça va apporter un changement, un partenariat. Peut-être qu'il va y avoir un partenariat. J'ai allumé l'anneau ici. Je vais le baisser un peu non, parce que ça fait. Voilà. Parce que bon, il commence à faire sombre en fin d'après-midi. Alors ici, on a la cigogne. On a la cigogne, on a l'anneau, donc on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouvel engagement, peut-être une association, un partenariat. Il y a certainement une collaboration ici, peut-être même familiale, parce que la cigogne, c'est aussi le domaine de... C'est un peu, oui, le domaine des enfants. Il peut y avoir également un engagement pour une grossesse. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau déménagement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à une association, un partenariat. Voilà. Ici, on a le serpent, le cercueil. Alors. Ici, c'est la fin du stress, c'est la fin de la trahison, c'est la fin des mensonges, c'est voilà. Peut-être que justement, comme en début de mois, vous avez balayé les nuisibles, là. Donc là, on voit que c'est la fin du stress, c'est là, c'est la fin des ennuis, voilà. Ici, c'est la fin des ennuis, je dirais. Au centre, nous avons la carte de la sécurité, de la protection. L'ours représente également le domaine financier. Ensuite, on a le foyer et le lys, donc peut-être la maison de vos parents.
Peut-être une officialisation au sein du foyer, au sein d'un membre, comment dire, oui, un membre de votre foyer. Peut-être vous ferez une déclaration, une officialisation ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a le consultant et la consultante et le consultant ici côte à côte. Donc là, il y a vraiment une officialisation au sein du foyer. Claire et net. Là, il y a vraiment entre deux personnes, il y a vraiment une officialisation. Donc peut-être par rapport à vos parents, peut-être que justement ce nouveau départ, ce nouvel accord, c'est la fin. Peut-être qu'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, et là, il y a une réconciliation. Il y a quelque chose qui revient, qui s'allège ici autour du domaine familial. Parce que l'ours est également la mère au foyer qui protège ses enfants. Donc, ou alors le côté parent, le côté patron aussi. Donc, si vous êtes votre propre patron à votre domicile, peut-être que vous avez décidé de monter une entreprise avec votre autre au sein du foyer. Donc, ça devient peut-être une entreprise familiale. Ici, on a l'opportunité de communication. Là, il y a une belle opportunité de communication, une chance dans la communication. Donc là, il y a une belle entente, quelque chose de positif dans la communication. Ici, il y a un ami proche de vous avec le chien et le livre. Le livre, c'est les mystères, c'est les secrets, c'est ce qui n'est pas encore révélé. En tout cas, c'est un document écrit, mais que vous n'avez pas encore l'information. Et c'est un ami ou une personne proche de vous qui va vous révéler ces informations. Peut-être justement par rapport à cette opportunité de communiquer dans la communication. Et ce qu'on a au centre, c'est les jardins publics, c'est-à-dire les lieux de rencontre à l'extérieur. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité de communiquer avec un ami ou une amie ou une personne proche de vous, en tout cas, que vous allez rencontrer à l'extérieur et qui va vous informer de quelque chose. Ce qui va changer, c'est un avancement au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'il va y avoir, pour les couples comme pour les célibataires, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre lors d'un déplacement à l'extérieur, dans ce parc public, par exemple, dans ce lieu de rencontre. Il se peut que vous allez faire une rencontre amoureuse à l'extérieur. Si c'est pas amoureuse, peut-être que c'est justement vous allez rencontrer une personne que vous aimez beaucoup. Par exemple, ça peut être un ami ou une amie, tout simplement. Mais on voit ici qu'il y a un avancement venant de l'extérieur et qui vous fait plaisir au niveau du cœur. Ici, on termine par la lune et le soleil. C'est-à-dire que voilà, vous sortez de l'ombre. Vous sortez d'un cauchemar, en fait, et vous allez vers la réussite et la victoire. Alors, pour vous, les vierges, franchement, c'est ce mois de décembre, c'est je fais le ménage, je me débarrasse de ce qui ne me convient plus. Vous allez avoir du soutien parce que vous avez quand même une surcharge dans le domaine professionnel et dans le domaine du travail à la maison aussi. Mais vous allez avoir le soutien. Peut-être d'un enfant qui va vous rendre visite pour vous aider à surmonter cet obstacle. Parce que le monde, c'est l'obstacle, c'est quelque chose que vous devez dépasser. Et comme il y a l'arbre qui fragilise un peu votre santé, donc il y a peut-être un enfant qui va vous rendre visite pour vous aider à contourner cet obstacle ou en tout cas pour vous aider dans les difficultés. Il va y avoir des bonnes nouvelles, peut-être des bonnes nouvelles financières, peut-être des bonnes nouvelles justement d'auto-indépendance. C'est aussi par exemple là on voit il y a le couple qui est juste en dessous. Pourquoi pas créer une entreprise familiale?
Ça, c'est possible. Donc, c'est ce qu'on retient. Hein. Je fais un, voilà. Ici, le nouveau changement, le nouveau départ, le nouveau peut-être grossesse, un nouvel accord. En tout cas, ici, la fin des ennemis, c'est terminé. C'est, voilà. Parce que vous voyez, si on prendrait l'anneau comme ça et puis le serpent, ça serait, on pourrait dire, une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas un accord trompeur, vous voyez? Donc, ou alors un engagement, vous avez peut-être une trahison par rapport à un engagement, etc. Bien que c'est possible encore, mais là, ici, il y a un changement. Il y a un changement d'accord. Peut-être que justement, quelque chose que vous avez prévu par rapport à cette nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui va changer, donc quelque chose qui va changer dans vos projets. Et là, on voit que c'est la fin de l'ennemi, c'est la fin de la trahison, c'est la fin du danger, c'est la fin, voilà. Et ici, on a la protection au centre. Donc, on va vraiment vers une protection familiale et en plus officielle, une légalisation. Il y a quelque chose de pur et de sincère. Voilà, c'est un couple sincère ici. Après, ça peut être un couple, ça peut être vous avec une autre personne, hein, tout simplement. Hein, En général, si par exemple vous êtes une femme et le masculin représente votre autre, qu'il soit un homme ou une femme, et inversement, si vous êtes l'homme, là, ça peut être. Après, ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante, un père, une mère. Enfin, voilà. Parce qu'il se peut ici, avec le lit, ça peut être un parent. On a aussi l'ours qui est tout près. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être carrément une entreprise familiale. Peut-être une transmission en fait d'entreprise familiale, c'est possible. On peut pas savoir, mais vous seul savez ce que vous vivez. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a dans sa diagonale? Une solution, la consultante à la solution sentimentale. Ici, là, il y a les nuages. Après, il y a un cadeau qui fait plaisir. Encore une fois, le domaine familial avec le cœur du foyer, en fait, c'est vraiment ça, c'est le cœur du foyer, c'est vraiment, je pense que sur ce mois de décembre, pour vous, les amis vierges, c'est vraiment au cœur du foyer. Au cœur du foyer, il y a quoi? Alors, on prend, voyez, 9 cartes. Ici, on a la maison, le cœur du foyer. On a le cœur du foyer, le cadeau, la surprise qui fait plaisir. On a les nouvelles au cœur du foyer venant de l'extérieur. Vous allez recevoir des nouvelles qui viennent de l'extérieur du foyer. Vous voyez, là, c'est pas à l'intérieur. Et ici, on a une protection foyer et en plus une officialisation, quelque chose de légal, de loyal. Vraiment, autour du foyer, là, c'est le top. C'est le top. Pareil pour vous, ici on a le consultant, pareil ici, super. Ça s'est un petit peu assombri, c'est dès le départ de décembre, ici où, bon, un conflit qu'il faut se débarrasser. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous prenez une décision radicale pour balayer les nuisibles, quoi, ici. Alors oui, il va encore y avoir un petit peu, ça va vous prendre un petit peu encore l'esprit, il y a encore un. Ces nuages qui vont obscurcir le tableau, mais ça va passer parce que ici, vous êtes à la croisée des chemins et ici, il y a vraiment une stabilité, une entreprise solide. Et ici, bon, ben, il y a une surcharge de travail, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, dans l'accord, un nouvel accord avec un ami ou une personne proche de vous, décidément. Et ici, on a un accord. Alors, ici, ce nuage qui résiste par rapport à tout ce que votre décision radicale, ce nuage est ce qui bloque, quoi. Vous ne voyez pas l'accord, mais se termine par l'opportunité, par la chance avec le trèfle ici. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Alors,
Ben, décidément. Bon, ben c'est tout, hein. Le domaine financier, c'est pareil, on en a parlé. Bref, vous allez finir le mois avec le soleil, la réussite, la victoire, le bonheur, la joie en famille. Voilà. Et là, la lune, c'est vos peurs, vos doutes, c'est aussi peut-être. Voyez, c'est un peu ça, c'est le voyage du cœur qui est un petit peu assombri dans la nuit, dans les cauchemars, voilà, tout ça se terminer. Vous allez avoir l'éclaircissement ici avec le soleil, quoi. Si vous allez sortir de la nuit, vous allez voir le jour. Il y a quelque chose qui va rayonner. Vous allez être mis en valeur. Peut-être vous allez obtenir enfin la reconnaissance et que vous méritez. C'est comme ça que je le vois. Voilà, bon, ben je vais m'arrêter là. C'est pas mal. On va prendre un petit message avec l'oracle de Noël. Je suis désolée, hein, j'ai traîné un peu ma bougie. Elle était encore chaude et puis j'ai fait couler sur mon tapis. Je nettoie avec plus tard. Je suis désolée. Bah, c'est ta bougie, hein, c'est pas. J'ai pas éternué, hein. Allez. Décembre 2023. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. C'est parti. Où est le message pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Merci. Bon, on a la deux. Décidément, tous les messages, j'en ai beaucoup eu deux. Hein. Ah, on a la clé du pardon. Waouh. Waouh, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides spirituels ici. Décidément, hein. Oh. J'espère que vous voyez la carte. J'espère que l'anneau ne va pas trop ici. Voilà. Vous êtes protégé par l'étoile, vous êtes protégé par vos guides spirituels. Vous êtes guidé sur votre chemin. Ah ben c'est émouvant ça, c'est touchant. Et ici, on a les sensations. Profitez des doux parfums. Les doux parfums qu'apporte cette saison. Le parfum du pardon, de la réconciliation. Le pardon ne fera que du bien qu'à vous. Même aussi difficile soit-il, le pardonner, ça ne fera que vous enlever une épine du pied. Et vous voyez ici derrière, on a la joie. Vous retrouverez la joie si vous pardonnez. Alors, on va aller voir ici avec les sensations en particulier. Ah, bah, je tombe directement dessus. Quelle histoire te racontes-tu à propos de ta vie et de la vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Tes sens sont particulièrement en éveil aujourd'hui. S'ils étaient en sommeil ces derniers temps, ils sont réactivés. Tu perçois la vie autour de toi avec plus d'acuité.
Et cela te donne le sentiment puissant d'appartenir à un monde très riche aux multiples facettes. Tu vois plus clairement ton environnement et sa beauté multiple te saute aux yeux. Tu entends mieux les bruits, les chants, les musiques et les mots. Ce que tu goûtes te semble plus savoureux et ce que tu sens est plus parfumé. Ton sens du toucher et ce que tu sens, non. Ton sens du toucher est aussi décuplé. Lorsque tu frôles un objet ou quand tu prends la main de quelqu'un, tu détectes la douceur, la rugosité, la chaleur. Tu prends pleinement conscience de ce que tu perçois et cela t'amène à apprécier encore plus ta vie. Ton univers est riche et ton corps a des capacités incroyables pour en percevoir chaque détail. Tu as l'impression que tout ton être explose, tant ces sensations sont bonnes. Tu te sens vivant, tu te sens vivante. Tu ressens l'existence avec intensité. Lorsque tu manges et bois, prends ton temps. Savoure. Laisse tes papilles envoyer à ton cerveau toutes les sensations sucrées, salées, amères, acides. De même, lorsque tu écoutes et regardes quelque chose, concentre-toi, capte les couleurs, les ombres, la lumière, les sons, les silences. Pose ta main sur certains objets ou sur des éléments de la nature et sois pleinement dans ces gestes. Ressens les textures, la chaleur, la dureté, la tendreté, l'humidité ou la sécheresse. Lorsque tu es tout entier, tout entière, dans ta découverte, tes vibrations augmentent ainsi que ta connexion avec le monde et avec ton corps. Voilà le message de tes guides, de vos guides. Quand les livres tutoient, après, je dois me rattraper. Voilà le message de vos guides. C'est d'être en connexion avec tout ce que vous avez à portée de main. Tout ce qui peut vous procurer une sensation. Soyez en connexion avec ce que vous ressentez, avec ce que vous sentez, avec ce que vous touchez, pour créer justement cette connexion avec l'extérieur et votre corps. Après, je peux vous lire la carte du guide parce qu'on a 27 minutes. Bon, les autres, je les dépasse largement. On peut prendre un petit peu de temps. Allez. Tu es guidé, sois attentif, sois attentive aux signes. Que ce soit par un nuage, une forme d'aile, une plume sur le sol, un arc-en-ciel, un cadeau inattendu ou une coïncidence, l'univers t'accompagne. Il est là aussi pour te souffler des idées, des messages via ton intuition. Il accompagne tes choix et te guide vers ce à quoi ton cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis. Ce que tu expérimentes dans ta vie répond à qui tu es et à ce dont tu rêves. L'univers répond à tes demandes en t'offrant des opportunités, en te montrant des portes à ouvrir. Si ça me fait penser que je revois la clé. Si tu vis une période de confusion ou de doute, rassure-toi, tes guides t'entourent et t'accompagnent. Garde confiance, la clarté va revenir. Il faut parfois dépasser certains obstacles. Et on a eu l'enfant qui venait vous rendre visite pour surmonter un obstacle. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis ou franchir des barrières pour être prêt, pour être prête à vivre ce que l'on désire. Il est probable, si tu vis cela, que ces épreuves servent à renforcer ta confiance, qu'elles te poussent à développer un de tes talents, peut-être l'auto-entreprise. C'est en ouvrant ton cœur que tu remarqueras les signes. Pas besoin de chercher partout, sois prêt, sois prête à les accueillir et tu les recevras.
Suis le courant de ta vie avec confiance. Prends tes décisions sans crainte. Avance sereinement. Tu es guidé et accompagné. Et tu n'es jamais seul. Sois attentif, sois attentive aux signes. Tu sentiras dans ton cœur ceux qui te sont destinés. Tu peux, si tu souhaites, en faire la collection en notant tout ce que tu perçois. Plus ta liste grandira, plus tu en remarqueras. Waouh, super beau. Bon, ben voilà. Sur ce, mes amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les messages vous seront utiles pour votre guidance du mois de décembre. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, je vous souhaite de passer de très jolies fêtes de fin d'année. Alors, joyeuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous.